Hop là! Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que cet overlay magnifique avec Chirac de la mort qui tue vous plaît? Oui, ta gueule. Si ça ne vous plaît pas, je vais le jouer en plein écran, il n'y a pas de souci. Hein? Parfois, vous entendrez des célébrités parler, c'est normal, il y a Danse avec les stars à côté, mais normalement, vous ne devriez pas entendre. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire Remember Me. Attention. Remember Me, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu développé par Ubisoft, hein, enfin, développé et édité par Ubisoft, et écrit, et dont le scénario est écrit par Alain Damasio. Alain Damasio qui est un de mes écrivains préférés, pour tout vous dire. Il a écrit l'écran qui... Ouais, c'est un effet de style, t'inquiète pas. vous inquiétez pas, s'il y a du drop, c'est normal, c'est le début du stream. Il faut que ça stabilise. Je sais, c'est extrêmement chiant au début. Et d'ailleurs, ça drop pas mal, là. D'ailleurs, vous me dites, hein, comme j'ai dit, si l'overlay vous fait chier, je mets tout en plein écran, il n'y a pas de souci. Donc oui, je disais quoi. Alain Damasio, écrivain préféré, qui a écrit les gangs, enfin non, les hordes de relevance, ça. Qui est quelque chose d'absolument incroyable. J'ai jamais lu autre chose en fait. Donc on va commencer tout de suite, hein, parce que bon, voilà, Remember Me, ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui, ça va être, c'est marqué sur le stream. Allez, je vais me taire parce que le... Quand le bateau une seconde a coulé. Merde, j'ai oublié de mettre les sous-titres. J'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon sensen, mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Une petite seconde, je mets juste les sous-titres, voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Nilin. En quelle année? Répétez ça. Nilin. Mince, c'est une première. Pas grave, on raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je...
sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Bon, c'est bientôt fini, donc je vais pouvoir reparler. Donc oui, alors, le jeu est sorti en le 7 juin 2013. Et donc ouais, il est plutôt pas mal hein, pour un jeu finalement sorti des consoles. Salut. Levez la tête, s'il vous plaît. Allez. Merci. Maintenant, levez-vous. Allez, on se lève. Veuillez suivre la ligne orange jusqu'à votre prochaine affectation. Et donc pour... Hop, voilà. Tout l'intérêt du stream, ça va être ça, je pense. On va regarder les plafonds, les magnifiques plafonds. Les animations sont pas mal, hein, franchement. Ne vous écartez pas de votre... La gueule, je fais ce que je veux, enfoiré de vidéo drone. Attendez, patiemment, l'assistant. Je travaille dur. Vous serez en charge des vacances, non? Oh, oui, c'est vacances. J'ai eu les repas gratuits à la cantine. Ouais, mais c'est pas une raison. Oui, le chat filtre. Vous êtes perdu. Pas d'inquiétude. Retournez simplement... C'est bien. Alors le début c'est pas vraiment super intéressant à part pour ça. Hein. Suffit de suivre la ligne orange. Ce qui équivaut à une ligne verte finalement. Je me souviens de rien. Tu peux même faire ça, regardez. Ça c'est magnifique, la 3D 2013. Lala. C'est quand même pas mal hein. Salut les gars, comment vous allez? Moi je vais bien et vous? Mais ça va passer. Ah. Ouais, ça. Bon, alors vous voyez, on est dans un centre de recherche. Justement. C'est tout beau, c'est tout bien. Tiens, il y a un androïde. Nous faisons notre possible pour atténuer le stress lié à cette situation. Merci de suivre les oranges. Comparons. Vous préférez lequel? Oui, ça se passe dans Paris, Alain. Les chaussures rouges, ça fait très Sonic. La ligne orange indique votre trajet. Ne vous perdez pas. Avancez. Mon Dieu. Allez. On va essayer de faire ça vite, histoire d'accéder à la meilleure Merci partie du jeu. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Ok. Oh. Hey, c'est le dentiste, c'est ça là? Ouais, ouais. Tu verras, mec, putain. Ah, déjà, regarde là. Oh. Ah, il faut avancer. Niline. Tu m'entends? Oui. Ils vont t'effacer la cervelle, Niline. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Ouais, tu es la voix. Non, mais c'est pas seul. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour t'asseoir sur le fauteuil. Wow. C'est chaud quand même. Annoyer des zones. Mise en quarantaine provisoire. Ah bah merde. Merci de passer. Restez en ligne. Ça a attiré leur attention. Niline, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Tu m'as si compris, tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. Ah ah. Et si je tourne pas la tête? Elle est où la porte? Ici. La porte. Passe en dessous, maintenant.
Les réseaux, ouais. Timothée le tourne. Tu parles un nom, s'il vous plaît. Que Dieu me vienne en aide. Alors, est-ce que je peux monter dans le mecha? Non, évidemment, parce que je sais, parce que j'ai déjà joué au jeu. C'est rigolo quand même, parce que franchement, ce jeu est super joli. Bon, il y a beaucoup, pas mal de blooms quand même, que je peux pas désactiver, hein. Sinon, ce serait trop simple. Patient repéré en zone interdite. Et là, attention, le robot, très rigolo. Coucou. Tu veux voir mon hologramme? Attention, attention, il y a de la physique, hein. Ce jeu est merveilleux. Le passage sur ta droite. C'est évidemment cinématique, hein. Là, je touche même pas la manette. Relève-toi, tu dois continuer. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça va. Ronan Coiffec. Putain, les noms. Jean-Luc Cano. Ah là 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 là. Bon, on admire quand même les décors. Parce qu'ils sont sympas. Et là. Où suis-je? Bah, c'est Olivier de Rivière. Glisse-toi dans un cercueil. Vite! Risque biologique. Ouais, bah bien sûr. Comment ça, j'ai toujours l'air de me faire chier, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai que Lorine a quelque chose d'hydrophobe, hein. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Pierre Soulage. Ta gueule, allez. Nilin, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant! Ah! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Remember me, voilà, le jeu commence. Ah oh, mais ouais, elle est magnifique, Nilin. Sortie physique, qu'est-ce que ça va, effectivement. Bah, avant de vous montrer son boule, je vais vous montrer des boules qui ressemblent à Mousse Diouf. Allez, Slum 404, Néo Paris, dimanche 17 septembre 2084 à 7h18 du matin. Ils sont excessivement précis. Ah mais ouais, mais totalement. Remarque, ça passe bien. Hein. Écoute, Johnny Player.
Là, je voulais faire une blague avec Johnny Hallyday, mais j'ai pas trouvé, donc vous la ferez vous-même. Non, mais vous verrez tout à l'heure sa rhum et son padré, vous verrez. Vivant. Un nouveau. Douleur. Et là, regardez, c'est Mouziou. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Viande. Ami. Ah, il y a quelqu'un qui a faim là. Je suis pas de la tribu. C'est ça? Pourtant, on dirait pas. Allez, premier combat, ça va péter des culs. Alors, faut utiliser le joystick gauche et A pour effectuer une esquive dans la direction voulue. Ouh! Je ne peux pas me battre avec toi. Eh, c'est Batman. Tu dois le faire, Niline. Ces gars te tueront. Utilise tes pré-scènes. Ah, c'est Batman, enfin c'est Catwoman en fait. Allez, hop. Non, c'est pas long, c'est sûr. Allez, combo lab. Ah oui, voilà, particularité un peu de... Ouais, ça on s'en fout, ouais, ta gueule, je comprends le truc. Particularité donc, je disais, du jeu, c'est qu'en fait on peut constituer ses propres combos. Alors au début on en a qu'un de trois, mais après bah on en a beaucoup plus. Allez hop, je vais prendre celui-là parce que j'aime bien. Voilà. Et on va prendre celui-là parce qu'il est vraiment puissant. Allez. Bon, le combo, voilà. Aïe. Bah. Alors oui, on peut foutre des coups de pied, mais au final, ça fait rien du tout. Ah oui. Putain, on dirait des cancéreux. Des Leapers. Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables. J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Qui est là? Oh, salut copain. Comment tu vas? Attends. Bon, alors ici, je vais pas faire grand chose pendant environ 2 minutes, histoire de vous montrer des trucs rigolos. Donc on peut taper, hein. À l'infini. Ça sert strictement à rien. Faut donner un coup, mais non plus. Mais là, ce qui est bien marrant, c'est qu'on peut sauter. Et quand tu sautes à l'infini, ça fait ça. Et tu fais faire ça, putain de merde. Allez hop. Ça sert strictement à rien que je fasse ça, hein, mais je kiffe faire ça. Ça fait danse ballerine. Barbie à la plage. Ça sert à rien. Et bien, bon, je peux faire ça. Ah mais c'est tellement rigide, c'est n'importe quoi. Je kiffe faire ça, hein. Vous êtes... Putain, non, ça dit... C'est plus stable. Allez hop, bon. On va continuer parce que sinon je vais vous faire chier. Allez hop. Ah oui, bon, on peut se soigner là, parce que... Turfu futuriste, technologie. Ok, tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Ah, qui? Il tient un bar en haut du slum 404.
Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Ah putain, ouais. Regardez ça, sens du détail, les graffitis sont en français. Ça, c'est cool. Et là, il y a des trucs marqués, mais c'est trop petit. Je crois que c'est du code barre. Et il y a des roues. Donc, ce jeu, c'est pas qu'un jeu de combat ou un jeu d'exploration, hein. C'est aussi un jeu de plateforme. Mais un jeu de plateforme extrêmement simplifié parce que elle nous indique les plateformes. Voilà. En soi, c'est ouais, super intéressant. C'est pour ça qu'on va. Ah, tu sais que t'es bonne, toi. Scandale à la Bastille. L'administration vient d'avouer la fuite de la tunnel sous le nom de Niline. Mon dieu. C'est des séphrans, mais je sais, mec. Je vais essayer de trouver un mur. Parce qu'on a besoin de notre dose. Une chose est sûre, le nombre d'héroïstes en liberté a doublé. Non, on peut pas. Bon, bah, je vous montrerai tout à l'heure. L'administration vient d'avouer la fuite. Allez, on va avancer parce que voilà. Ah, je trouve l'univers assez détaillé tout de même. Ouais. Oui, on va laisser tomber ça. Donc, c'est pas un deuxième combat là ? Non. Bon, j'ai pas l'impression. Allez. Merci. Tiens, du nez. C'est joli. C'est joli, ça fait un peu flipper quand même. Oh, ça va, Alain, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres petits détails ? Edge. C'est qui ce Tommy ? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slam 404. Le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. Tram Brain, Tram Pain. Ouh, c'est profond. Bon, par contre, ouais, les textures sont pas top parfois, j'ai l'impression. Mais ça va, c'est consoleux, c'est... C'est les bas-fonds. Quelque chose en bas. C'est plus. Ah ouais. Et oui. Ouh. Mon dieu, j'ai récupéré un truc. Il faut le voir. Donc c'est dans le journal peut-être. Et oui. Et oui, et oui. Allez. C'est cool ça. Le navire hôpital Nymphéa. Le Nymphéa est probablement le plus célèbre navire de guerre à Water Recovery Hospital. Spécialisé dans le traitement des affectations mémorielles, sous la direction du docteur Sébastien Kwed, cet établissement a acquis en quelques années une reconnaissance internationale. Il faut... Merde. Mais... Ok. Il faut remonter aux années de la guerre civile européenne de 1940-2047 pour trouver l'origine des navires hôpitaux. Les pays dévastés avaient alors un besoin urgent d'hôpitaux de campagne mobiles dotés d'un système de soins complet, capable de traiter aussi bien les traumatismes physiques que physiologiques. Le recours à des navires de guerre s'est rapidement imposé. En Europe, une trentaine de navires de différents tonnages furent ainsi transformés, essentiellement des corvettes et des patrouilleurs, mais aussi 5 frégates et 2 croiseurs. Le célèbre navire hôpital de Néo-Paris nommé Nymphéa en 2060 était l'un de ces croiseurs. Désarmé au lendemain de la guerre civile, il fut remorqué jusqu'au centre de Paris et amarré près de l'île de la Cité pour devenir un centre public de rééducation post-traumatique. À la fondation de Néo-Paris, 2053, le Nymphéa demeure l'unique dispensaire de l'ancienne capitale en reconstruction. À partir de 2070, le docteur Sébastien Kwed y crée une unité de recherche et de soins pour les troubles mémoriels, financés par Memorize et par divers organismes caritatifs. Au fil des années, les différents services de chirurgie et de soins sont déplacés dans d'autres hôpitaux renouvellement construits, jusqu'à ce que le navire se spécialise uniquement dans la recherche contre des maladies mémorielles. Désormais, le Nymphéa met à la disposition de ses patients des protocoles de soins sans égal, directement issus des travaux des découvertes du Dr. Kwed, et s'enorgueille d'un taux de guérison supérieur à 75%. Chaque jour, ses équipes progressent davantage dans le traitement des abus mémoriels caractéristiques de la civilisation du Sensen. Par contre, je crois que ça va être le seul que je vais lire, parce que voilà. C'est chiant. Et c'est long. Allez, viens là, toi. La gueule. Viens là, que je te la mette. Ouais, les amnésistes, voilà. Et Néo-Parly, les banlieues. On peut appeler ça comme ça.
c'est beau, n'empêche. Franchement, c'est joli. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. Cool. Gâteau de crabe. Des trucs de... Ouais, d'accord. Allez. Allez, allez. Je peux pas aller? Non. On peut pas lui mettre. Allez, allez, viens. Le voyage de la redoutable chasseuse de primes a sans doute tout à voir avec l'évasion de Mmh. Souvenez-vous, cher consommateur, elle et son mari David ont remporté le prix Mort ou Vif 2014. Non, franchement, ce jeu, il a quand même de sacrés nanas. On peut pas lui enlever ça. Bon, par contre, je crois qu'Assassin's Creed a quand même de meilleures phases de plateforme. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Un terroriste a laissé le souvenir d'une cache à votre intention. Étudiez attentivement l'image et localisez la zone indiquée dans votre environnement. Vas-y, fais voir. Oh oh. Ok. Donc c'est là-bas. Génial. Où sont les gens ? Il doit y avoir quelqu'un ici. Certainement. Ah voilà, les patchs SAT qui me permettent d'augmenter ma vie. Allez, bon, bah on va continuer, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Allez. Ouh. Est-ce qu'elle est gracieuse? Hein? D'accord. Allez. Vas-y, je vous tape. Allez. Allez, viens, là. Je t'explose. Vas-y. Bande de PD. Unico ping-pong. Là, pas là. Et je m'en fous. Eh merde. Où sont les gens? Il doit y avoir quelqu'un ici. On y revient vite, sinon ça va me vexer. Allez. Bon. Au moins, j'y suis arrivé. D'autres connards. Est-ce qu'ils vont s'enfuir? Bien joué! Je vais te... D'accord. Ouais! Un combo de 5 coups est maintenant disponible. Les pré-scènes de régénération. Cool. Alors. Bon bah, on va se faire un nouveau combo, hein. Cool. Y. Voilà. Celui-là, bon bah c'est celui-là. Hein. Et celui-là. Il n'y a que celui-là. Voilà. Ok. Alors. Oh. Ah ouais. Personne n'a rien vu. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Non. J'y arrivais. Il meurt trop vite, c'est quoi? Et je me chie, bordel. Alors oui aussi, c'est comme dans... comment il s'appelle le jeu? Killer Instinct. Ah.
c'était cool. Merde. Allez. Masse de plateforme à la con. Et j'ai eu peur pendant un instant. Et on saute. Ouh. Vas-y, gagne-moi ça. Wow. Killer instinct. Futur. Ah, y a peut-être des choses en fait. Je vais voir ça. Haha, j'en étais sûr. Hein? Johnny Grintis a crié ton nom dans le noir. J'en ai rien à foutre. Oh, oulala. Oulala. Je suis flippé. Eh hey mec, c'est Tommy la migraine. La mère couche avec il l'avait peur. Dit, il est mort deux fois. Johnny Grintis, il est mort deux fois. Il est mort. J'en ai rien à foutre. Il est mort deux fois. C'est possible ça? Le futur. Alors lui, il est à côté d'un remarqueur, ouais, ok. Donc il est là-bas. Ok, je vois. J'ai eu peur encore une fois. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Hey, c'est passé quoi là? J'ai failli tomber là. Et suite à la fin. Bon. Ah, cool. J'ai de nouveau pressen. Ouais. Ok, donc il y a des points d'XP et je peux en gagner de nouveau. Non, bah, il n'y a que celui-là de prix, donc vous le prenez celui-là. Ouais. Sauf que j'ai pas de pressen de combo, donc génial, hein. Bon. Oh. Ouh. Allez, on saute et hop là. On monte. Et on n'oublie pas le patch de ça, hein. D'accord. La caméra s'est reculée brusquement. Ah d'accord. Si on est plein de vie, ça marche pas. C'est magnifique. Oh mon dieu. Et des connards. Salut. Mais lâche-moi. Putain. Ah, j'en ai entendu un cri de... Ah, c'est chaud. La musique est pas mal aussi, hein. Je suis lourd. Dénis-moi. Je cours. Punir. Surveillance. Punir. Donne-moi ta face. Ta face. J'ai perdu la face. Somme dans la boîte. Moi, les enfants. J'ai menti. Oh, il est violent, le gamin. Aïe. Putain, c'est Mundir. Trompé de fille. Hein? Couleur! D'accord. Bravo! Hey, il s'est transformé en Super Saiyan là! L'écorcheur est bien plus puissant lorsqu'il a les combien. Ouais, ok. D'accord, bon bah je...
Ouh. Non, je suis pas... Putain. Merde. Okay. Alors les Leapers s'en prennent aux citoyens. Les zombies étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez, bouge de là. Tommy t'attend au Leaking Brain. Allez, bouge de là. Ok. Je bouge de là. Il y a peut-être d'autres trucs. Hein. Il se trouve, il y a des Sensen. Ils sont morts. Génial. Dieu du ciel. Alors, ah, ça va lui faire une plateforme. Oh, que ce jeu est magnifique. Eh ouais, son nom c'est Edge. Oh. Normal ça. Vous cachez. Ok. Oh. Le projet reconversion par Memorais, oh, la réponse humaine opérée par barbare. Citoyen de Neo Paris, ne craignez plus les Leapers. Ouais, t'es moche. Grâce au projet reconversion, gueule. Ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Allez. Déjà les meilleurs. On s'en fout du scénario, on n'est pas ici pour ça. Le titre du stream, on est la preuve vivante. C'est joli, c'est le port, c'est... On est à Paris quand même, hein. Putain, c'est moche. C'est plus moche que le 93, hein. Je sais pas où, mais... Traverse le marché flottant jusqu'à cet entrepôt. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. Ok. Ok, Edge. Je vais faire comme tu m'as dit. Il écrit putain. Oh le graffiti. Oh le graffiti qui s'efface. Oh c'est moche. Par contre je sais pas ce qu'il veut dire. Mais bon. Mnemopolis is tracking you. Bon alors là on retrouve de vrais graffiti de merde. Et on descend. Curfew futur. Oh là 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 là. Hot. Non, il écrit Kevin Hot, Janine Bot. Ok. On accepte n'importe qui. Beats and Fish, les perles du fleuve. Ouais, je vais passer. Aussi bon que du frais. Sérieusement. C'est aussi bonimenteur que chez nous, quoi. Salut, mec. Donc, tu vois. Faut pas te kicker les balls. Enfin. Dommage. Bouffe à volonté. Je ne crois pas que ce soit la boutique que vous cherchez. Ouais, t'as raison. Dieu. Elles sont bizarres les prostituées. Hein. Ah, il y a un autre patch sac.
Ok. Bon, il y a un amnésiste là. Ok, alors je suis pas sûr. Ouais. C'est où sa merde? Non. On va trouver. Bah, c'est là en fait. Ok. Tu t'es coiffé avec un pétard? Protéines pas chères. Ça devrait t'intéresser, Richard. Présente-moi plutôt ta sœur. Quoi? Non mais oh. Dis donc, un peu de respect. Je ne suis pas intéressé. Ta gueule. Waouh. Dis donc, je fais pas exprès. Autrefois peut-être. Il y a un mec qui a rien fait. Dommage. Ah, on voit bien. Bon, je vais essayer d'arriver vite au bar parce que va y avoir la nouvelle tenue de Lynn. Désolé, j'attends quelqu'un. Que dalle là. Oh. Et que t'es jolie, toi. C'est combien? J'arrive pas. Ah, je vois, le genou, c'est là où on introduit le... Ok. Okay. Bon. On va peut-être avancer. Pas de pitié pour les voleurs de mémoire. Pas de pitié pour les... Hein? Merde, j'ai loupé. Ouais, tant pis. Ah oui, ça va pas jusqu'au bout, quoi. Donc si t'es pas un trapéziste, t'es dans la merde. Cache-toi derrière toi. Ah, sois discret. Jette ce costume trop voyant. Ça marche. Du coup, je suis pas sûr si c'est elle. Faudrait pas que je me trompe. Attends là, devant cette fenêtre-là. Ouais, je peux rien pour toi. Désolé. C'est elle avec les cheveux, c'est ça. Ce qui est sympa, là, en fait, c'est qu'il y a un peu de vie. Ce qui manque cruellement dans pas mal de boucles. Dans pas mal de jeux en fait. Wow. Badass. Hein? Wow. Wouh. Ok, pas de question. Poussé. C'était quoi cette chose? C'est bon signe, ça, Frangine. Avec le temps, d'autres souvenirs te reviendront sûrement. Bah... On a des pouvoirs magiques. C'est trop pété. Tu y es presque. Suis les drones volants de Tommy jusqu'au bar. Ça marche. RB. Ça doit être ça, ouais. Right button. Salut les clodo. T'es sérieux? Allez. Faut aller par où? Super, le raccourci Edge. Ta gueule. Vas-y, moque-toi de ton bienfaiteur. Donc, visiblement, si j'appuie sur RB, je vais plus vite. J'aurais pas dû. J'aurais tellement pas dû. D'accord. Saloperie.
Attention aux tensions. Ouais, merci. Qu'un con comme moi pourrait tomber. Hein? Oh, oh, oh. C'est du parcours, ma bonne dame. Ok. Pas de retour possible. Putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est tendu. Baleine, regarde, t'as tes arabes. Et enfin. T'as une mosquée. Le Leaking Brain. Ça ressemble à une mosquée, je sais pas. Ah non, mais ouais, ouais. Ah, mais tu vas voir, Lucien. Tu vas kiffer. Allez, je pense qu'en 15 minutes, j'ai le temps de vous montrer sa tenue. Et j'aurai au moins accompli quelque chose. Kevin Hart. Super Hart. Super Hart. Ouh. Ah, il y a un autre truc. Ferme-la, Bob. C'est qui, Bob? Les gens, ils comprennent vraiment. Un peu criard comme tenue. Ouais, ta gueule. Ouais. T'as l'air aussi perdu que moi. Bob, ta gueule. J'ai rien pour toi. Commerçons avec le sourire. Tais-toi ou c'est moi qui te bouffe le cœur. Je dis mes mots. Bingo. J'ai un nouveau point de vie. Vous pouvez tellement pas le test. Désolé, laisse-moi tranquille. Signez la pétition et prenez position. Joli, mais pas mon style. Participez. Elle est genre. Bob, va chialer ailleurs. Eh, dis donc, ce Bob, il a pas l'air de se faire respecter beaucoup. Hein. Les magasins sont quand même plutôt épars. Ferme-la, Bob! Ta gueule, tu m'appelles pas Bob. Johnny veut mon cœur pour Noël. Johnny veut mon cœur pour Noël. Tu le sais, hein, toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Moi, c'est lui, Bob. Il est roux. Il s'appelle Bob. Ça alors! Et déjà réussi! Oh la gueule! Dans mes bras, ma belle! Nilin, ça fait un bail. Je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de toi. C'est à ce point? Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange? Désolée. Ouais. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look. Oh ouais. Je suis une fugitive, mais le plus important pour le moment, c'est de soigner mon look. T'es fashion victime. Ouh, celle-là aussi, elle a un peu de dingue. Ce gant là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque, avec tes fringues de combat. Coup de bol qui t'est arrêté un jour de relâche. Ce modèle, c'est du 100% Nilin. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Du 100% Nilin. Le top du top, Frangina. T'es la seule à maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Disons que, à la Bastille, contrairement à toi, j'ai pas réussi à écourter mon séjour. Bon, je te laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. Et là, attention.
Enlevez vos pantalons directement, les mecs, sinon ça va charter. Oh, ce Bob. Bob, va m'intérieur ou j'appelle Johnny. Le gros avantage des indigènes, c'est leur mémoire de poisson rouge. Il n'y a aucun risque qu'ils balancent à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse? Implacable. Cette vipère va retourner tout le slum. Pas pour la coffrer, non. Typique d'une fouille cervelle. À peine dehors et déjà au turbin. Nélène ? C'est pour toi, David. Oh, le QTE. Eh non. On va juste remixer sa mémoire. Bon alors je le dis tout de suite, dès que je récupère le patch SAT qu'on a vu, on va arrêter. Donc après ça. Alors gros truc vendeur de Remember Me, c'était ça, le remixage mémoriel. Sauf qu'en fait finalement ça s'est révélé un peu naze parce que on a vu que ça que trois fois dans le c'est jeu. C'est pour toi, David. David le juif. David Bane. Bane David. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. David les Bane. Réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Technologie du combat. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Mais ouais, tripote-lui le visage, ouais. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Transfusion mémorielle terminée. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Dr. Quaid. Je peux payer son traitement. Allez, faites en sorte que le Dr. Quaid tue David. Voilà, mon objectif, c'est d'altérer la scène pour faire en sorte que le Dr. Quaid tue David Sedova au lieu de soigner. La première étape consiste à trouver des failles mémorielles avec lesquelles vous pouvez interagir. Tournez L dans le sens arrière des aiguilles du monde jusqu'à ce que vous trouviez une faille mémorielle. Vous pouvez maintenir RB pour accélérer. Oh. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Oh, je peux bouger la caméra là. Tout se passera bien. Sérieusement, oui. Le ton. Vous avez raison. Bien. Les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Dr. Quaid. Je peux payer son traitement.
Là, en fait, c'est scripté parce que voilà. Hein. Donc là, en fait, là, ils vont me laisser le champ libre. Donc on va revenir tout au début. Hein. D'accord. D'accord. Vous inquiétez. Et des trucs. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas. C'est pas un truc. Aiguë au souvenir. Est un cas classique et de souvenir. Alors, faut trouver les machins mémoriels. Risque. Ah, j'en ai trouvé un. Capsule. On va permettre, hein. Risque aggravé de dérive identitaire. Le chariot, ouais. J'ai envie de le déplacer parce que voilà. Allez, on avance. Machine qui fait ping. Trop fragment. Bon, j'imagine qu'on va pouvoir remixer. Non, même pas. Oh, j'ai trouvé un truc. Aisez sa réceptivité à vos enfants. Allez, allez. On va l'inverser. Inversion du flux mémoriel. Autorisez sa réceptivité à votre transfusion. Et là, si je fais ça. Ah oui, non. Identitaire oui. Du donneur imminent. Pensais-je de cri ? Où est mon visage ? Ah oui, comme ça, on tue la. C'est on tue machin, c'est nul. Souffre ma chair ! Quarantaine ! Quarantaine ! Tellement vide, tellement vrai. Voilà, donc il y a un truc qu'il faut pas faire. C'est ce qu'on appelle un bug mémoriel, puisqu'on ne peut pas se rappeler qu'on est mort, n'est-ce pas? Donc bah là, il faut rembobiner. Version du flux mémoriel. Non, juste ça. Voilà. Ça, on s'en fout. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit, c'est tout. Rien de méchant. Tâchez de vous concentrer sur des souvenirs apaisants. Ah. Ah ouais, on le détache. On est des fous. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Et là, je crois que je vais pouvoir détacher la sangle, non? Enfant dénué! Pourquoi rampes-tu? Quoi? Les mouches me mangent! Les manques me mouchent! Quoi? Ah, c'est pas drôle, mais hop! Hop! J'ai vu ça? Ouais, je suis détaché. Ouh! Allez. Oh, c'est violent. Succès déverrouillé, erreur médicale. Non, je suis pas là pour te coffrer. Tu veux toujours brûler Memorize? Oui. Alors nous avons un ennemi commun.
quel retournement. Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise. Pour tous. Je suis sûre qu'Olga a fait raison. Une seule raison suffit. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroriste. C'est moi ou y a de l'amour dans l'air? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. T'es plus sur ma liste. Ça veut pas dire qu'on va traquer ensemble. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée? Oh, j'ai mieux que des idées. Ça, c'est ma Nilin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. Oh, t'es sérieux avec ta blague à la con? D'abord, tu me cognes. Après, tu ruines mon petit commerce. Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Attends, non, non, j'ai pas pris mon pas de chaussette, là. Merci, Tommy. Vraiment. T'as pas perdu la main, ma belle. Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs. Mais non, vas-y, j'ai loupé un truc. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ou alors, je l'ai récupéré. Mais c'est bon. L'homme n'est pas entièrement coupable. Il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent, puisqu'il la continue. Mon Dieu, c'est profond. Et j'allais dire profil, mais c'est profond. Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine amenée au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire? Suis-je si dangereuse? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi. Avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise. Pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir a fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don. Allez, épisode 2. Je sais exactement comment finir ce stream. Si je peux, enfin, si j'arrive à trouver un bon angle, vous allez voir, vous allez kiffer voir ça. J'espère. Et puis, tout de suite après, il y aura Mr. Babadook, un film d'horreur. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci d'avoir choisi R. Sedova. Bonne chasse. Pas de guide prévu? Désolé, j'ai des affaires familiales à régler de mon côté. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Ah, ce plan, il est pas mal. La plus célèbre architecte de Neo Paris. Elle a en tête Regardez-moi tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Je la trouve comment? Ton contact s'appelle Bad Request. Il t'attend au dernier étage de la rotonde Saint-Michel. Ah, fais chier, caméra à la con. Attends, je vais essayer de trouver un meilleur angle. Allez, allez. Mais non. Putain. Ouais, ouais. Ah, chier. Bon, j'essaie d'en trouver un. Un angle pas trop mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça.
Voilà. Donc il est 22h03. C'est l'heure pour moi de vous quitter. Hein, tout de suite après, donc je disais, le film Mr. Babadook passé par Russian. Et je vais pas vous laisser dans la merde comme ça. Hein. Je vais vous passer une petite musique que vous allez certainement apprécier. Et putain de souris. Chier. Hop, évidemment. La musique qu'il faut absolument écouter maintenant. Et je vais laisser les streams. Préparez-vous. Slow, and yes, I must react.